Bienvenue à l'Hôtel Dieu, monument emblématique de la ville de Carpentras. C'est ici, aujourd'hui, que nous allons vous faire découvrir 10 000 mètres carrés de culture à travers Linguimbertine, sa bibliothèque musée municipale. Vous allez voir, elle est fabuleuse. Suivez-moi. Dans cet endroit, qu'est-ce qui vous plaît ? Déjà, le lieu est assez magique, quoi. C'est un beau bâtiment. Avant, c'était un hôpital. C'est vrai que je le connais depuis toute petite. Et puis, le fait qu'il ait été aussi bien réhabilité, et tout en conservant l'esprit du bâtiment, l'endroit est tout à la fois moderne et en ayant gardé le côté ancien. Donc, je trouve que c'est une belle réussite. Je viens découvrir le lieu, travailler et potentiellement lire 2-3 bouquins, si jamais j'ai le temps, entre deux séances de révision de partiel. Sésame, ouvre-toi. Il y a l'intérêt des livres, mais aussi le lieu a une âme et une histoire. Et même dans la cour, ça nous rappelle toute une histoire. Et puis toujours c'est riche d'enseignements. On a des petites expos, on fait des rencontres, on est très accueillis. On a même fait une rencontre EHPAD de jeunes publics. Et ça a été vraiment merveilleux de voir ces jeunes et moins jeunes découvrir cette exposition, découvrir le lieu. Et pour nous, ça peut nous rendre fiers, car c'est vraiment notre cœur de métier, transmettre pour tout le monde. Des livres, et 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 d'un seul coup, le buste d'Hippocrate. Et à nouveau des livres, et des livres, et des livres, et des livres. Les enfants qui sont des fois délaissés parce que les parents travaillent et autres, viennent dans ce lieu un peu historique et mythique, et en allant jouer aux jeux vidéo, ils croisent des documentaires, ils croisent des tableaux, des œuvres d'art qu'ils ne verraient pas autrement. Bah, c'est un lieu où il y a plein de livres et on peut les emprunter. Et surtout, il y a plein de belles choses, puisque c'est aussi un musée. Je suis déjà venue, quand j'étais plus petite, faire un cours pour apprendre une danse, le Madison, et du coup, j'avais beaucoup aimé. Ah oui, bah voilà, Voilà, vous l'aurez compris, Linguimbertine, c'est un lieu culturel fabuleux, avec une histoire, une âme. Venez même profiter d'un concert.